everyone. Hello everybody. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes les blondes. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite le meilleur pour vous tous. Hein. Alors, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo et j'espère que tout se sera bien passé pour vous au niveau météorologique. Hein, la météo. J'espère que tout ira bien. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu le devenir du Conseil national de l'Ordre des médecins et de qui est cette entité. Je vais rester totalement impartiale, bien entendu, même si j'ai... Voilà, ça commence déjà à monter. Mais au vu de la sanction prise par le professeur Raoult, je trouve ça mais tellement écœurant. Bon, voilà, je... Excusez-moi, c'est la colère qui ressort. Deux ans, messieurs, dames, deux ans d'interdiction, c'est énorme. Si vous savez les conneries qu'il faut faire pour avoir une interdiction d'exercer, bon, à l'âge qu'il a, je pense que ça doit, comme dit Manu, hein, notre chef absolu, hein, notre chef suprême, ça doit lui en secouer une sans réveiller l'autre, au vu des connaissances acquises de la personne, quelle bande de trous de balle, vraiment, vraiment, c'est insupportable. Portable, messieurs, dames. Bref, restons calmes. Bernadette, calme-toi. Je hais cette gonzesse. Je la trouve d'un ridicule. Mais d'un ridicule! J'ai jamais compris comment un truc pareil, avec sa robe rouge, pouvait avoir du succès. Hein. Vraiment, vraiment. Voilà. Autant Mado, hein, celle qui faisait Mado, la Marseillaise, j'adorais, vraiment. Pour le coup. Mais alors, l'autre en rouge avec... Bon, bref, no comment. Hein. Je ne vais pas partir hein, dans du négatif, messieurs, dames. Aujourd'hui, oracle de l'énergie et puis du féminin sacré pour le petit message qui fait du bien. Un petit coup de cochi et puis on ira voir ce que ça dit sur le CNOM, à savoir Conseil National de l'Ordre des médecins, qui a pris la décision d'une sanction de deux ans d'interdiction d'exercer la médecine à l'encontre du professeur Raoult. Honte à vous, shame on you, mais honte à vous, sérieusement, honte à vous, bande de collaborateurs, suceurs du système, vous me faites gerber. À l'époque déjà, vous me donniez une gerbe incommensurable, mais alors aujourd'hui, voilà, honte à vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire, honte à vous, vous débectez. Donc voilà, ça c'était dit, je devais rester calme. Un petit coup de cocher, messieurs, dames, pour calmer tout ça. Alors là, j'ai pris l'eau, ben voilà. J'enlève les poils de chat. Et on est parti. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous a apaisé. Moi, pas du tout. J'étais déjà sur mon prochain live, hein. J'étais là-dessus, en me disant, je vais faire un live là-dessus. Je vais faire un live sur le Conseil National de l'Ordre des médecins. Bien, on y va. Oracle de l'énergie. Et puis, du féminin sacré. Allez, c'est parti pour l'oracle de l'énergie. J'aime beaucoup cet oracle également. Alors, n'oubliez pas, hein, comme je vous en parlais précédemment, femme qui tient un cœur, ok. Comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à aller sur la nouvelle chaîne de Nana. Hein, je vous mettrai les liens en description et puis d'y voir son contenu, son nouveau contenu, messieurs, dames. Moi, Nana, je suis désolée, je ne peux pas l'appeler autrement qu'à l'information autrement. C'est. It's a lot. Ah non, il n'y en a que deux. Bon, moi, le visuel sérieux des cartes derrière bof, mais bon. C'est ainsi. Il y a Perpétue.
C'est la sainte de l'authenticité. Et puis ici, on nous dit une femme qui tient un cœur. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, hein, une femme d'être bienveillant. Hein. Ça peut être Gaïa, ça peut être nous, la femme hein, qui retrouve ce féminin sacré. Déjà, ça tombe bien, hein, parce que là, j'ai pris le féminin sacré et là, on nous parle d'une femme qui tient un cœur. Donc déjà, les cartes communiquent. Et puis ici, nous avons encore la déesse de la lune ici, qui est d'ailleurs, si je ne m'abuse, la carte ici du jeu. Je voudrais juste voir, parce que c'est intéressant de voir ce qu'ils en disent. Je n'ai pas étudié le bouquin pour l'instant. C'est l'intuition et la perspective. L'introspection, pardon. La perspective n'existe pas. Alors, voilà. C'est vraiment ça. Bah, la lune, hein, de toute façon, bien entendu, que c'est l'intuition et l'introspection. Hein. On est tous comme ça. Hein. On est tous... On a tous ça en nous. Hein. On a tous ça, cette intuition. Donc, faire preuve d'intuition. Ici, on nous dit l'authenticité. Hein. Je reflète mon... J'y arrive pas, hein, c'est le gnome hein, qui m'énerve. Hein. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances, ce qui n'est pas le cas du gnome. Hein. Voilà. Et puis ici, nous avons Khadija, la mère des croyants. Je possède l'abondance spirituelle et financière. J'entretiens donc le ciel et la terre pour mes besoins. Voilà. Et Miaoshan, hein, je ne sais pas, Miaoshan. Princesse donc de la clémence, de l'authenticité et des croyants ici, donner est recevoir, donc l'énergie de l'univers est donc clémente. Elle est très très belle cette carte, hein. Ne pas hésiter, hein, donner c'est recevoir. Mais il faut quand même un équilibre là-dedans, hein, parce que trop donner c'est pas recevoir, c'est jouer contre soi. Trop donner. Sans jamais recevoir, ça, ce n'est pas équilibré. Tout est toujours dans l'équilibre. Hein. Boire un petit coup de temps en temps, ben, c'est sympa. Boire beaucoup trop, ça, c'est pas équilibré. Et voilà, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, mais en tout cas, ce sont de très jolies cartes. On nous parle d'authenticité, de clémence, de croire en notre intuition, et puis de vraiment, vraiment laisser parler notre cœur, hein, de ressentir, tout simplement. De ressentir. Voilà. Des messages sympatoches, mais des messages lambda, je dirais. Autant, quelquefois, il y a des petits messages que je kiffe, que je trouve très pertinents. Bon, là, c'est des gentils messages, mais très, très, très jolie carte ici. Hein. Très jolie carte. Bien, messieurs, dames. Allons-y. Hein. On va juste regarder la femme qui a un cœur, hormis... Voilà, hein, c'est assez clair comme ça, la femme qui a un cœur. Il y a aussi l'homme qui a un cœur dans le jeu. C'est l'amour, hein, évidemment, la femme face à la famille et aux émotions. Voilà, hein, écoutez notre ressenti, nos émotions. Et it's okay for us. Allez, messieurs, dames, on est parti sur le Conseil national de l'Ordre des médecins. Dans sa grande clémence, qui a sacrifié l'un des leurs. C'est très politique, hein. C'est très politique, sinon c'est pas comme ça que ça serait passé. Que prends-je ? Il faut que je reste impartiale. Alors du coup, je vais prendre le souffle de la night. Ça, c'est très impartial, du coup. Je sais que c'est pas impartial, hein. Je le sais. Ça m'énerve. Bon, bah celui-là, ok. Je voulais vraiment prendre le souffle de la night. Hein. Mais je suis été partiale. Suis été pour le coup, pas du tout impartiale. De prendre un jeu dark. Allez, on prend le jeu italien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus. A plus la boîte. Allez, on y va. Oh, j'ai pas pris les mots. Prends, je bats trop tard. Allez, tant pis. Tant pis. Bon, il y a de la contrariété dans l'air quand même. Hein. Ok, là, il a fallu obéir. Mais,
Il y a de la contrariété, hein. Il a fallu obéir aux ordres du monarque absolu, des chefs en devenir, des auteurs internationaux, pour le coup des reptiliens, hein, voilà, des ordures quoi, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc ouais, il y a quand même de la contrariété parce que là quand même je dois dire que la décision prise est très lourde, hein. Très très lourde, je vous dis. Il faut une dinguerie hein, pour avoir 2 ans d'interdiction, hein. Une dinguerie. Pas du tout avoir prescrit de l'hydroxychloroquine. Là, ils sont en train de dire qu'il a joué sur les chiffres et autres. Mais non, mais sérieux, les gars. Sérieux. Ce genre de truc, c'est lorsqu'il y a eu des dérives sexuelles, des machins, des trucs. Il est pour des chiffres. Ah, quand on veut se débarrasser d'un chien, hein, on dit qu'il a la gale, hein, évidemment. Je suis profondément choquée. Eh ouais, je sais les gars. Qu'est-ce que vous nous dites ici, hein? Ah ouais, bah, il a fallu être fidèle. Au... Bon, allez, écoutez, les cartes, sans déconner messieurs dames, hein. Il a fallu être fidèle au monarque. Voilà, mais du coup, bon, c'est sûr que ça crée quelques petits soucis parce que il y a du tourment à venir, hein, parce que là, alors au niveau impartialité, tout faux le CNOM, hein, tout faux. Il a fallu rester fidèle au maître. Hein, c'est pas moi, c'est les cartes qui ont volé. Ça va leur créer des petits soucis quand même. Hein. Et ouais. Et ouais. Vous me délectez tellement fort. Heureusement qu'il existe de bons. Je ne mets pas tous les médecins dans le même. Heureusement. Il y a des vrais, vrais bons médecins. Vrais bons médecins. Mais demandez donc à un médecin de parler de son ordre. Vous seriez très étonnés des mots employés. Mais il existe de vrais bons médecins. Merci Seigneur. Ah, ils ne sont pas nombreux. Hein. Sont pas nombreux. En tout cas, moi, en 13 ans, j'en ai pas vu beaucoup. Bien, yeah, let's go. Donc, bah, des petites contrariétés à venir hein, pour cet ordre, hein, parce que c'est vrai que vous voyez, hein, on, dans cette carte, hein, alors si je la tourne et je... Alors, c'est l'une des cartes où je regarde beaucoup, beaucoup de visuels. C'est rare. Si vous voyez des écritures, c'est normal, c'est écrit en italien. Je ne sais pas lire l'italien. Et moi, j'aime bien avoir un support. Hein. Voilà pourquoi j'ai traduit ici. Coucou à toi, ma cri-cri, tu vas te reconnaître, bien sûr. Mais on voit que, bon, là, il y a des gens cachés. Donc, oui, il y a de la contrariété à venir. Hein. Oui, il a fallu prendre une décision un petit peu à l'encontre de la déontologie médicale. Enfin, bref. C'est dégueulasse, quoi. Donc, évidemment, hein, ça a créé pas mal... Il va y avoir quand même pas mal de bavardages, hein, de choses qui vont être dites sur eux. D'ailleurs, Philippot emploie souvent le terme de dissolution du Conseil national de l'Ordre des médecins. Je suis à fond pour, vraiment, pour le coup, parce que ça sert à rien. Sérieusement, je vous jure. Bon, bref. Mais bref. En tout cas, il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites. Il y a beaucoup de bavardages. Je pense qu'ils tous n'étaient pas d'accord. Hein. Mais il faut être fidèle à la main qui te nourrit, bien entendu. Sachant le pognon qu'il y a là-dedans, vous n'avez même pas idée. Malhonnêteté, bim ! Allez, ça c'est fait. Voleur, malhonnêteté, bavardage, abattement, merci. C'est tout pour moi, c'était Nina, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà, point. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, morale. C'est à gerber, messieurs, dames. Vous avez le truc ici. Et puis, voilà, je lis des cartes. Hein. Malhonnêteté, voleur, point. Excès, hein, excès. De toute façon, tu m'étonnes. Il y a beaucoup d'excès. Ils sont dans un état morbide, hein, quand même. Hein. Ça va pas lui faire du bien. Alors, ça va pas à cette entité, Donc, ça ne va pas lui faire du bien d'avoir pris une telle décision, tellement démesurée, tellement dégueulasse, tellement con. Blah ! Collaboratrice du système, ça me débecte. Regardez bien, messieurs, dames, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de 32 cartes que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise plus, bon, vous connaissez l'histoire, c'est que du pic. Pic dans le 32 cartes, c'est dégueulasse. C'est pas des jolies cartes, voyez-vous. Donc là, on n'est que sur du pic, hein, on est sur de la malhonnêteté. That's it. That's all. Ou alors, that's all, that's it. Mais c'est tout. Mais c'est tout, ça va pas plus loin, on voit, hein. On voit quand même qu'ils se sont fait taper sur les doigts, qu'ils n'ont pas eu le choix, hein, encore. Nord, Einmal, nous avons encore du pic ici même.
Là, je vous laisse traduire, hein. Je vous laisse, voilà, hein. Voilà, pique, 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 et pique, et pique, et pique. Hein. Donc, on voit, hein, vous faites ce qu'on vous demande, sinon on vous tape dessus, point. Ça va pas plus loin que ça. Vous voulez votre pognon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok, piège, hypocrisie, malhonnêteté, bien sûr qu'il est... Et pique, encore. Donc, bien entendu, une femme de pique, c'est une femme méchante, tout ce que vous voulez, mais là, on est sur quelque chose de bien hypocrite, de bien malhonnête. C'était ça où tu te fais taper dessus. C'est pas autrement que ça se passe. Voyez-vous, donc, politique XXXL. En tout cas, il n'y a qu'une chose que je vois, malhonnêteté et piège. De l'hypocrisie, en plus. Hein. Voilà. Donc, perte, évidemment. Hein. Il y a des gens hein, qui vont se détourner. Alors, je pense déjà qu'à certains médecins, ils sont déjà hein, soumis à une cotisation ordinale, comment dire, annuelle. Et demandez-leur de parler de la dite cotisation. J'aimerais beaucoup. Hein, j'aimerais beaucoup faire un live avec un médecin. Et bien entendu. Et puis, ici, on a quand même cette perte d'amis, cette irritation. Bah, tu m'étonnes. Parce que là, de toute façon, d'avoir joué dans cette cour, à un moment donné, les gars, ça se tournera contre vous. Sachez-le. Cette histoire, si pour l'instant, vous vous sentez tout puissant, dans une puissance entière et absolue, à l'instar de ce qui se passe avec Natacha Ray, où tous les juges et nanana seraient, j'emploie le conditionnel, corrompu. En tout cas, c'est une vérité sans conditionnel, puisque Maître Danguéan l'avait dit, ça a été choisi par le chef de l'État, à savoir Zozo Lastico. Idem pour ça, d'accord ? On est exactement sur la même chose, la même chose. Je ne vais pas rester une heure sur eux, parce que déjà, messieurs, dames, je prends sur moi pour ne pas me fâcher fort. Ça me donne de l'urticaire, messieurs, dames. Donc, ici, on voit, hein, on voit, mais continuez à vous éclater, les gars, parce que la fin de l'institution viendra d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous êtes déjà en train de jouer vos dernières cartes, bande de collaborateurs suceurs du système. Donc, on voit, hein, on voit que de toute façon, à un moment donné, d'avoir trop joué, ça se tournera contre vous. Et c'est normal, et c'est merci Seigneur. Et je vous dis encore une fois, c'est du pic. Voilà. Et là, on a du trèfle parce que ça aime la thune. Il n'y a pas de problème. Donc là, on a un mariage, on a une entente. Là, vous avez ce prélat qui est ici, qui leur a dit, vous faites ce qu'on vous dit, rien de plus, rien de moins. Hein. Je monte la carte. Hein. Vous faites ce que je vous dis, vous coopérez et c'est tout. Cette coopération créera leur perte. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai même pas envie de les recouvrir. Vous voyez, je suis restée impartiale en prenant les cartes qu'on me disait de prendre. Je les ai prises et ben voilà. Et maintenant, pour me faire plaisir, je vais prendre le souffle de la night. Voyez-vous ? Donc, voilà ce qu'est l'Ordre National des médecins. Collaboration au système. Que cette vidéo reste ou pas, je m'en fous. Je leur dis ça. Donc, ça, c'est fait. Je vais rester calme. Il faut que je reste calme. Hein. Mais ça m'enflamme, vraiment. Vraiment. Punaise. Sachant que tous ces gens, hein, pour la plupart, quand ils avaient peur du Covid XXL, se sont fait soigner par Raoult. Donc, ça me non, c'est là. Ça me dégoûte. Vous n'avez même pas idée. Bref, l'hypocrisie est sortie, hein, l'hypocrisie. Regardez en dos de deck. Je vous montre quand même, parce que j'ai rangé, je ne vous ai pas montré le dos de deck. On est sur l'inconstance. Et la traîtrise. Pardon, ça, sorry. Voilà. Traître. Traître. Collaborateur. Et oui, nous sommes en guerre, hélas. J'ai encore une croix ici, hein, pour eux. Mais qui joue, qui s'amuse, parce que je pense qu'à un moment, ils ne vont plus pouvoir jouer. Et merci, Seigneur. Il faut que chacun paye ses dettes. Alors... Pour finir ce tirage, qui sera l'un des plus courts de l'histoire, parce que vraiment, je ne vais pas y rester deux heures, tout est dit. Tout est dit, pour ceux qui croiraient qu'il est là, cet ordre, pour aider les médecins. Oh, ça me donne une tour, mon Dieu. Un petit Covid qui s'installe. Je vais appeler vite le professeur Raoul qui m'a donné l'hydroxychloroquine. Oups, j'en ai pas, j'en ai chez moi. Mais oups, bien sûr que j'en ai. Mais bien entendu, j'en ai. J'ai du plaquenil chez moi. Et oui, avec une maladie auto-immune pour les articulations, bien sûr que j'ai du plaquenil. Et mon cœur, il n'a rien eu, hein, je vous dis tout de suite. Hein. J'en ai pris quelques temps. Hein. Il n'a rien eu, mon cœur. Hein.
aucun problème cardiaque. Un, R. Bande de menteurs. Bande de... Allez, c'est parti. On va confirmer hein, ce qui a été vu déjà dans un premier temps. Hein. 20-20. 20 minutes 20. C'est N. O, eh ben celle-ci, elle voulait être là, on va la laisser là. C'est N-O M, Conseil National Ordre Médecin. Ça rameute les troupes, hein, déjà. Hein. Alors, bon, ben c'est bien, hein, de toute façon, il va falloir se prendre un bon petit coup de balai. Hein. Il y a le balai, il y a le nettoyage, à un moment donné, de toute façon, je vais vous dire un truc, hein, entre corrompus, voilà quoi. Mais j'ai envie de vous dire, hein, qui continue, parce qu'à un moment, ça va être dégagé, ça, hein, ça va être dégagé, ça, c'est sûr et certain. Ils ont fait le ménage parce qu'il y a juste au-dessus, il y a un fouet, hein. Donc voilà, hein, vous voyez la collaboration. Volontaire ou autre, hein, peu importe, on s'en fout. Hein. Mais vous voyez, la collaboration est là. Hein. Tu fais le ménage ou tu prends le coup de fouet. Bon, bah, ils ont choisi. Hein. Ils avaient les moyens de tout changer. Hein. Ils avaient les moyens de tout changer. Hein. Ils avaient ce moyen. Mais un joker est arrivé en disant ta-ta-ta, qui est ton chef? Qui est ton maître? Donc, c'est moi qui dis ce qui se passe. Là, on est sur exactement le même schéma que Natacha Ray et tout ce qui se passe en justice autour d'elle, bien entendu. Exactement. Exactement. Donc la justice, c'est bizarre comme quoi la justice, qui pourrait être ici l'ordre des médecins, le national ici, qui pourrait être la justice, mais il y a un joker qui est arrivé là-dedans qui... tu fais ce que je te dis, gars. Vous voyez ? Et alors en plus, elles sont beaucoup plus douces que les autres, les italiennes. Vous voyez ? Comme quoi ? Je vous laisse celle-là. Donc, ils sont comme des gosses. Hein. Ils obéissent comme des enfants, point. Pas plus, pas moins. Hein. Des gosses face à ce joker. Donc, oh bah, on fait ça. Ah bah oui, tu fais ça. Bon, peut-être que dans la dite institution, il y en a certains qui... Voilà, voilà. Voilà, mais ils pouvaient tout changer. Hein. Ah, ah oui. Ah oui. Il y a quelqu'un, hein, vraiment, hein, qui est en mesure de changer les choses, qui aurait pu changer les choses. Vraiment. Ça a dû créer de la discorde hein, quand même. Hein. Je vous dis que ça a dû mettre de la colère. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Mm-hmm. Ça aussi, le magicien, c'est... Raoul, il n'en a strictement rien à foutre. Je vous dis, rien à foutre. Ouais, allez, allez. Allez vous référer. Allez vous renseigner. Je le ferai pour vous, vous inquiétez pas, je ferai un live. Quelle est donc cette institution? Comment elle est apparue? Etc. Etc. Allez vous renseigner. Allez chercher. Voilà. Là, il y a deux cartes. Voilà. Donc. Ah oui. Hein. Ils ne voulaient pas perdre la place, eux non plus. Hein, de toute façon, hein, ce n'est pas grave. Hein. Ils vont renaître de leurs cendres, hein, selon eux. Hein. Oui, hein, des enfants. Hein, ils ont fait ce qu'on leur avait demandé. C'est tout. C'est tout. Après, si le professeur Raoult a été traité comme un enfant, autant vous dire, on n'a rien à foutre. Hein. Lui, je vous le disais, hein, c'est-à-dire, il en touche une sans réveiller l'autre. Parce que croyez-moi bien que le gars, il est bien au-dessus de tout ça. Bien au-dessus de tout ça. Les connaissances, il les a. Et bien plus encore. Et bien plus encore. C'est quelqu'un qui sait, qui peut changer beaucoup de choses. Hein. Le magicien, ça, le joker, le magicien, le joker, c'est Manu. Hein. Regardez, il y a une couronne ici. Hein. Mais là, franchement, il s'en tape. Totalement. Et c'est un mec, quoi qu'il en soit, hein, qui n'arrêtera jamais de travailler. D'une manière ou d'une autre, ils ne pourront pas l'empêcher d'avoir un cerveau, d'être un intellectuel, d'avoir cette compétence incroyable, de les développer. Ça, ils ne pourront pas lui enlever. Alors qu'ils lui interdisent d'exercer pendant 2 ans, ça, c'est dur quand même. Ça, c'est dur. Hein. Mais le gars, ce n'est pas grave. Il a beaucoup de ressources. Il peut tout transformer, ce gars. Et il renaîtra toujours. C'est un travailleur. C'est un bosseur et c'est un résistant. Et il a le ciel avec lui. Tiens, le gnome, va bien te faire foutre. Donc, écoutez, moi, je trouve que c'est top. Parce que ça, ça parle de Raoult. Et ça, ça parle de la corruption XXL. XXL.
Hein, voilà. Hein, ça fait très longtemps hein, que, comment dire, là, on a le troupeau, là. On a le troupeau. Ça, c'est nous, c'est la population. Hein. Ou les médecins. Ouais, il y a bien longtemps qu'ils n'en ont plus rien à foutre de la population. Hein, voyez ? Voilà. Il y a bien longtemps, hein, il y a bien longtemps, le serment d'Hippocrate, ils sont bien assis dessus et comme il faut. Hein. Oh, bah, tu m'étonnes. Mais par contre, qu'ils profitent, hein, parce que la fin est proche, hein, tout de même. Hein. Leur fin est proche. Et j'avais déjà fait, et c'est pour ça que ça rameute les troupes, là. J'avais déjà fait un tirage sur le CNOM où je disais, mais qu'ils profitent bien parce qu'il y aura une fin pour eux. Et c'est encore la même chose les concernant. C'est encore la même chose les concernant. Donc, ça va être un tirage qui va s'arrêter ici, messieurs, dames, 25 minutes. Ça suffit très largement pour ce genre de personnes. Hein, il me débecte. Point. Vous voyez, je ferai bien trois cartes avec le haut pour conclure. Et puis, on va conclure ici, de toute façon. Hein, pour Raoult, je n'en fais pas pour lui. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas une miette. Je suis écœurée par ce système, si vous saviez. Si vous saviez. Qu'est-ce que je voulais ? Le haut. Ça, c'est pour les méchants. Il est tellement incroyable aussi, celui-là. Je vais juste regarder. Hein. Le haut, c'est le début. Des menaces pour la fourmilière. Hein. C'est, vous voyez, c'est... Allez, on finit avec ça, messieurs, dames. C'est des vieux, en plus. On est bien d'accord, il n'y a que des vieux là-dedans. Je vous jure, c'est que des vieillards. Enfin, bref. Excusez-moi, c'est N. Et ils sont totalement enchaînés au système. Totalement, totalement, mais totalement. C'est N, O et M. Je ne les ai même pas vus. Ouais, c'est une question de temps pour eux. Hein. Je vous le dis. Hein, le dernier jeu que j'avais fait, il y a un moment de ça, c'était la même chose. Et encore une fois, c'était, je sais plus, pour Raoult. Ils avaient encore emmerdé Raoult ou quelqu'un, Fouché peut-être, je sais plus. Louis Fouché qui a lâché totalement l'affaire. Ce mec est christique. Ce mec est christique. Vous voyez ? C'est que des faux, c'est que des faux, c'est que des vieux, ils ont fait des faux, ils sont faux. Bon, je m'arrête là, messieurs, dames, après, hein, je le dis. Hein. Voilà, ça résiste. Hein. Ah, ça résiste à quoi ? Ah, elle va résister, cette fourmilière. Hein. Vous avez vu la fourmi tout à l'heure ? Elle va s'est ressortie. Hein. Ce jeu, c'est le roi pour ça. Hein. Donc, ça résiste, hein, ça résiste. Ils sont faux, ce sont tous des vieux là-dedans, mais des vieux, je pouc ! J'ai rien, excusez-moi encore une fois, hein. Excusez-moi, je n'ai rien contre les personnes âgées. À partir du moment où elles apportent des choses, pas des collaborateurs, qu'on soit bien d'accord, hein, ne vous trompez pas. Hein. Mais les trucs, ils tiennent à peine debout, là. Enfin bref. Il n'y a pas de jeunesse là-dedans. C'est... Oh, non, bref. Mentir, allez, faux, résister, mentir, voilà, voilà. Et tout est bon, tout est bon. Ils sont stupides en plus, stupides, dos de deck. Et question de temps avant de toute façon que ça. Ils ont joué contre eux, vous voyez ? Excusez-moi. Ils sont stupides, ils ont joué contre eux. Ils vont prendre le coup de fouet. Ils se sont auto-sabotés, ces cons-là. Ils sont dans un nid, dans un truc de requin. Tiens, les blas, les médecins, tiens. Ils sont stupides à bouffer du foin, voire d'autres choses. Voilà, en tout cas, ce sont des vieux machins, hein, ce sont des ancêtres, des antiquités. S'il y avait quelque chose de jeune, de... Non, pas du tout, c'est des vieux trucs qui sont là, enfin bref. Et non, et c'est des faux, c'est du faux. C'est regardez cette fourmilière qui veut résister, qui veut garder, mais qui a menti de toute façon. Ils sont totalement enchaînés, mais ils se vantent. En plus, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Hein, en plus, ils sont super contents. Ils ont menti. Et ça fait très longtemps que ça dure. Et c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Mais bon, vous voyez l'institution, la tortue, elle peut vivre jusqu'à combien. Regardez ce vieux truc, là.
sont des menteurs. Point. Des menteurs. Alors, sur faux, je vais mettre une carte. Là, ils vont être pris dans le sac de toute façon. Regardez, menteurs. Résister. Ah, il y en a pour, par contre, il y en a pour certains, ils vont dégager. Hein, ça va se séparer. Là, ils sont contents. Hein, ils sont contents. Là, c'est l'ordre des médecins. Vous avez des médecins. Hein, vous voyez, ils se vantent. Ils sont contents. Il y en a plein aussi qui disent ah, ah, Raoul, machin. Ben ouais, les pauvres. Ceux qui n'ont jamais réussi une carrière parce qu'ils sont mauvais, c'est tout. Ils sont mauvais. Voilà. Point. Vous voyez cette association qui a menti, là, des vieux en plus. Là. Vous sentez la colère ou pas? Je vais m'arrêter là, hein, messieurs, dames, parce que ça m'enflamme, ça m'insupporte. Ça m'insupporte, je ne peux plus. Donc, pris la main dans le sac, ils ont très très peur, hein, parce que de toute façon, ils ont faux peur. Hein, peur d'être pris la main dans le sac. Hein, que... Mais un jour, on en saura des choses. Hein, on en saura. Hein, voilà. Donc, les apparences y résistent, mais en fait, ça se sépare de toutes parts parce qu'ils ont peur. Par contre, hein, ça joue les gros bras hein, qui se vantent. Oui, on a pris une décision. Hein. Depuis le début, ce sont des menteurs. On se vante. Hein, et ils vont être éliminés. Point. C'est tout. Hein. Le moment viendra, c'est le début, hein, c'est le début de la fin. Hein. Ils seront éliminés, hein, ils seront éliminés. Quand ils n'auront plus besoin d'eux, ça dégage, voilà. Hein. Alors, s'il y a un petit couple qui s'entend très bien, eh bien, ça restera seul à la fin. Hein. Il n'en restera plus qu'un. Vous voyez, tout est une histoire de pognon, de corruption. Oh, c'est joli, ça. Ah, il doit y en avoir certains qui ont deux, trois choses à cacher, quand même. Oui, c'est pas très joli. Voilà pourquoi ça a été corrompu à mort. Voilà pourquoi certains hauts dignitaires doivent faire des choses pas très catholiques. On va finir là-dessus, messieurs, dames. En tout cas, j'espère que ce petit tirage, comme d'habitude, hein, l'argent, bon, voilà. J'espère que ce petit tirage aura pu vous apporter des informations, en tout cas, pour le moins, un divertissement. Hein, ça me fait penser à mes John Michael, par exemple, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, quant à moi, je vous dis, soyons unis, résistance, vive la France, vive la liberté, et pour le reste, la paix, uniquement la paix, et nos droits à nous. Le peuple pour le peuple et par le peuple. Merde, une bonne fois pour toutes. Et je vous dis à très très vite, restez unis, soyons heureux, faites des gâteaux, faites du beurre persillé à l'ail aussi pour les fêtes, faites ce que vous voulez. En tout cas, résistance, liberté, point. Et égalité surtout, parce que liberté, égalité, fraternité, c'est mis à mal, hein. C'est très très mis à mal actuellement. Mais bon, on est le pays de la fourche et le pays qui s'est jardiné également. Donc, c'est tout pour moi, c'est ciao ciao, à très très vite. Comment finir? Je ne sais pas. En tout cas, soyons unis. Allez, à bientôt. Ciao. C'était Nina. Allez, bye, tout le blonde.